Coucou! Me voilà avec une petite vidéo à l'aide de mon chat. Tu le vois? Attends, on va regarder le chacha. Où est-ce que t'es toi? Ah là! Tu dors, hein? Il ronronne. Moi, je me suis assise ici. J'adore être assise par terre. Je ne sais pas pour toi. Je me suis assise ici et elle est venue tout de suite voir ce que je faisais, renifler un peu les choses que j'ai mis ici autour de moi. Voilà, je fais la vidéo pour parler du prochain challenge que j'organise. Je pense que enfin, peut-être que tu as déjà vu que j'organise un prochain challenge. Au début de l'année, je m'étais dit, ben, je vais faire encore un challenge du féminin sacré. Je vais le mettre un peu, l'organiser un peu autrement. Et pour finir, l'hiver étant très long, je n'ai pas eu je vais être honnête, j'ai pas eu le courage de le faire. J'ai travaillé sur plein d'autres choses. Je me dis, bon, bah, ce challenge va attendre, il viendra. Et puis maintenant, les beaux jours sont là. Et chaque fois en printemps, je sais pas comment toi tu fais, mais moi je fais une cure de détox. J'aime pas beaucoup le mot, il est trop à la mode pour moi. Mais ici, la cure que je propose et que je vais faire, que j'ai élaborée, c'est vraiment une cure de purification. Pour moi, le corps, l'esprit et l'âme, ça interagit tout le temps. Et un corps qui est purifié, c'est un corps qui sait mieux se connecter aux longueurs d'onde de ce qui nous entoure aussi. Voilà, ma batterie commence à être vide, je dois me dépêcher. Je déteste ça. Ok, je vais faire vite, pour toi c'est mieux. Je vais donc proposer cette cure. Nous allons utiliser. Aujourd'hui mes produits sont tous arrivés, c'est pour ça que je fais vite cette vidéo. J'espère que ma batterie va tenir. Donc cette cure, c'est une mise en cétose. La cétose, c'est un état où le corps puise son énergie, pas dans la glucose, donc dans les sucres, mais dans les graisses. Forcément, les graisses du corps, si on ne mange pas assez de graisse. Donc, on va faire une cure de 21 jours et je m'inspire très fort ici de ce livre qui est super bien écrit. Tout ça, je vais l'expliquer dans le webinaire. Et donc, on va prendre, enfin, je propose de prendre un shake en protéines parce que quand on fait une cure détox ou quand on modifie sa manière de se nourrir, souvent, c'est les muscles qui fondent et ça on ne veut pas. Donc dans ce que je propose, ce qu'on va faire, on va faire des exercices. Idéalement, si toi tu as, on va les faire avec les smoothies parce que les smoothies nous permettent de faire les exercices tout en augmentant notre taux vibratoire et les vibrations sur le corps, ils ont un effet très thérapeutique, très intéressant. Et alors un shake protéiné. Celui que je propose, c'est un shake qui est végétarien et sans édulcorant et bio évidemment forcément. Donc dans cette société, on peut aussi acheter des shakes tout à fait normaux, vernis, chocolat, etc. Donc là, tu auras le choix si tu participes. Donc il y a d'autres produits, par exemple comme des pilules de oméga-3. J'expliquerai ça dans le webinaire. C'est super important qu'on a des bonnes graisses. Et en plus de ça, je propose le protocole de la société Young Living qui travaille avec des huiles essentielles pures et d'une excellente qualité, le grapefruit, citrus fraîche et l'edam. J'expliquerai donc ce qu'on va faire avec ces huiles. Ces huiles vont aider si on les masse sur les zones où il y a des stocks de graisse à faire fondre cette graisse à ces endroits-là. Voilà, ça c'est un peu le concept que je vais expliquer et aussi voilà, tu peux à ce moment-là savoir si c'est quelque chose qui t'intéresse. Je crois que c'est super intéressant. J'ai déjà fait pas mal de cures, mais chaque fois, chaque année, ça devient un peu plus complet, je dirais. Et je compte péter la forme d'ici la fin du mois de juin. Et très curieuse justement du résultat. J'espère que cela te parle. C'est nécessaire pour nous tous quand même d'être en forme, d'avoir la force, d'avoir l'énergie. Comme ça, on peut profiter de l'été. Et au mois d'août, en principe, là, on est prêt pour un nouveau challenge fin août, je pense, du féminin sacré et peut-être aussi fin septembre. Le programme n'est pas encore fait, mais ça vient. Ok, une très belle après-midi à vous toutes et à très bientôt. Ciao, ciao!